tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du Anaka Lenormand. Donc c'est un Lenormand qui faisait partie d'un lot de jeux que j'ai acheté il y a déjà un bon moment maintenant, mais dont je n'avais pas encore eu l'occasion de vous faire la review. Et donc là j'enchaîne la review de tous ces jeux que j'avais achetés il y a déjà un petit moment, quelques semaines on va dire. Donc, il arrive dans une boîte comme ceci. Elle est, je vais dire, semi-rigide. Hein. C'est relativement rigide, mais c'est pas non plus tout dur comme certaines boîtes qu'on peut trouver. On a un grand guidebook dans ce sens-là. Donc, il est en anglais. Hein. En noir et blanc. Donc, c'est de l'auto-édition. Hein. Elle avait d'abord auto-édité son tarot, puis il a été édité par une maison d'édition, je ne sais plus laquelle, pourtant je l'ai. Et vous pouvez retrouver la présentation sur ma chaîne du Anaka Tarot. Et puis bah, ici, j'ai eu l'occasion de me procurer son petit Lenormand. Et c'était intéressant parce que pour le coup, je trouve qu'il est assorti. Et puis, j'aime bien son travail à Anaka. J'aime vraiment bien. Alors, voilà, pour qui et comment les lectures de Lenormand, c'est assez habituel. Les classiques 36 cartes, enfin les 36 cartes classiques, dirait-on en français, plutôt. Alors, elle nous parle aussi je crois que ça, c'est les cartes de cours. Elle parle des cartes de cours. Voilà. Playing Card Correlation. Et là, par contre, c'est le nombre de la carte. Donc, c'est un peu de numérologie, quoi. Alors, les particularités du Anaka. Parce que elle nous dit, donc, il y en a 4 cartes supplémentaires. Donc, ça fait 40 cartes. Elle a 2 lisse, il y a 2 lisse et il y a 2 hommes et 2 femmes. Donc ça, c'est assez classique. 2 lisse, j'aime bien, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, on a une carte qui est My Will Card, qui n'a pas de titre ni de nombre. Et voilà, elle dit qu'on n'est pas obligé. On dit que normalement, il n'y a pas de carte, de willed card. Hein, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Et elle dit que si on ne veut pas l'utiliser, on peut l'enlever. Mais si on veut la garder, on peut l'utiliser de n'importe quelle façon qui nous semble nous parler. Voilà. Parce que sa wild card est supposée jouer le rôle d'un joker. Donc ça peut représenter ce qu'on veut que ça représente. Et ça peut fonctionner comme une carte, une wild card. Donc ça peut être la représentation potentielle d'un facteur inconnu. Et, voilà. Et si on veut plus de détails, des suggestions, on peut regarder les mots-clés dans le guide ici. Donc, on va les voir et on pourrait aussi lire. Je fais de la traduction instantanée. La plus longue interprétation sur son site. Il faudrait que j'aille voir puisque apparemment, il y aurait peut-être plus de choses sur son site. Donc, j'irai un petit peu regarder parce que, comme je ne vous l'ai pas encore présenté, je ne m'en suis pas encore servi. Il y a des tas de jeux que j'ai laissés en attente. En fait, je les ai laissés en attente parce que je me disais tout le temps, je vais faire la review. Et puis, les jours passés, je n'avais pas le temps. Et à chaque fois que je devais me servir d'un jeu, je me disais, je vais en prendre un autre. Comme ça, je le laisse dans l'ordre. Et donc, en fait, il se fait que j'en ai d'autres, des petits Lenormand. Et que je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je l'ai regardé déjà, mais je ne l'ai pas utilisé.
Donc, ça nous donne comment, voilà, les étapes pour se préparer. C'est assez classique, hein. Comme c'est de l'anglais, je vais pas tout parce que ça me prend beaucoup plus de temps quand même de vous le traduire comme ça. Donc, voilà. Et puis, on a les interprétations des cartes. Donc, on va aller voir aux significations donc de la fameuse Wheel Carte. La voilà. Ben non. Quoi? Ben tiens. Ben écoutez. Je ne la trouve pas à la page indiquée. On est déjà dans les tirages là. Je vais peut-être aller voir ici, du coup. Non, parce que ça, c'est les combinaisons. Ben écoutez, je remonte en arrière. Hein. Voilà. C'était à la 54, où c'était mal indiqué. Donc voilà, elle nous donne effectivement à peu près le même nombre. Ben non, elle nous donne la même chose, les mêmes renseignements que pour les autres cartes. Donc ici, du coup, elle nous explique la méthode des associations. Elle détaille. Ensuite. Ben ça, c'est toujours la même chose, hein. Je pense qu'elle explique toutes les combinaisons. Enfin, non, elle les explique pas. Elle explique comment les utiliser. Donc, ça doit être intéressant, je pense, que j'irai voir. Et puis là, elle nous propose des méthodes de tirage. Donc, déjà, une seule carte, hein. Vous voyez pas nécessairement plus. Des lectures rapides, hein, serrées. Je sais pas comment on traduit exactement en français, string. Petit tableau. Et puis le grand tableau. Avec la méthode des maisons. Il faudra que j'aille voir ça plus en détail. Si jamais il est vraiment intéressant. Eh ben je referai une vidéo pour vous en parler. Et puis après, si c'est la même chose qu'on trouve dans les autres jeux, bah, disons que voilà. Alors, c'est le genre de boîte que j'adore pas parce qu'il faut couper le jeu en deux. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Je vais le garder quand même. Donc, au dos de la boîte, on a aussi les informations. Voilà. Et il y a ici une partie en allemand parce que elle est autrichienne, si je ne me trompe pas. Annika. Alors, c'est son vrai prénom et je pense que le K fait partie de son nom, effectivement. Alors, on va regarder les cartes, du coup. Donc, voici la fameuse carte supplémentaire, la Wild Card. Donc, qui effectivement nous fait penser à un Joker. Mais vous voyez, vous avez des éléments sur la carte pour éventuellement bah, vous aider, vous donner des pistes, ou alors vous décidez d'attribuer une signification et ça fonctionnera très bien aussi. Il suffit de le faire avant le tirage. Et oui, je ne vous ai pas montré le dos. Voilà, j'aime bien. C'est simple, mais j'aime bien. Et la qualité, elle est franchement, elle est bonne. Les cartes sont épaisses, mais quand même souples. Et franchement, c'est assez chouette. Je remonte qu'on voit bien les cartes. Alors, voici le cavalier. Donc, je l'aime bien parce qu'il a à la fois un style ancien et en même temps, on voit bien que ce n'est pas un facsimilé d'un jeu ancien. Vous voyez? Alors, j'aime beaucoup le trèfle parce que, ben, pour une fois, on a la fleur du trèfle. C'est quand même chouette. Le bateau. J'aime aussi cette carte du bateau, du vaisseau. Je la trouve très jolie. En fait, j'aime beaucoup sa manière de dessiner. À la maison, je la trouve très jolie. Vous voyez pourquoi je voulais ce jeu? Parce qu'il y a plusieurs cartes que je trouvais vraiment très, très, très jolies. L'arbre, je le trouve très, très, très joli aussi. Très, très beau. C'est un olivier. Et ça peut également, si on le veut, si on décide, nous donner d'autres interprétations. Les nuages. Là, on ne peut pas se tromper. C'est clair, il n'y a pas d'autre élément que les nuages sur la carte. Le serpent. Vous
Si je me souviens bien, il est clair au niveau de la lecture. On ne peut pas se tromper. Ça, j'apprécie parce que parfois, quand on veut faire des lectures assez rapides et qu'on confond deux cartes, c'est un peu embêtant. Le cercueil. Le bouquet. De toute façon, on a le nom, hein, en fait. On a le nom. Mais c'est assez évident, je veux dire. Alors, on a la faux avec le blé à récolter et à couper. On a le fouet. L'inverse, le fouet. On a le balai dans un coin. On a le foulé. Le fouet. Foulé. Et puis, on a une assiette cassée. C'est pas mal, hein? On a la main qui tient le fouet, on a l'assiette cassée, ça donne des pistes. Il est vraiment bien fait ce jeu, je trouve. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. On n'a pas souvent de renard blanc. C'est chouette, je trouve. L'ours. L'étoile. Donc qui rappelle le dos. La cigogne. Le chien. Alors, ça aussi, c'est une carte qui m'a fait craquer. C'est un des plus beaux chiens que j'ai dans mes petits Lenormand. Franchement, réellement, il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. On a juste envie de jouer avec lui, je trouve. La tour. Donc celle-là, elle fait vraiment ancien. Elle fait vraiment moyenâgeux même. Alors, vous voyez, comme je vous disais, par contre, le chien, il est assez intemporel. Il fait pas du tout moyenâge, en fait. Donc, et quand vous en avez d'autres, bah, la cigogne, là, fatalement, qui survole et on voit la terre, là, ça n'est pas du tout moyenâgeux. Bon, les toiles, on va en parler. L'enfant, par exemple, bon, certes, elle n'a pas d'événements très modernes, mais ça ne fait pas non plus moyenâgeux. Et en même temps, je trouve que ce jeu a une belle cohérence. Alors, le jardin. Donc là, ça fait relativement ancien. Montagne. Les chemins. Elles sont très claires, hein, les cartes, les souris. Le cœur. Très très lumineux ce cœur, faut avouer, et joli. Hein. L'anneau, c'est chouette la symbolique je trouve, parce que elle doit être assez facile à interpréter sur des sujets qui où on se dit mais attends pourquoi je tire l'anneau? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, quand on le prend dans le sens d'union, de mariage, etc. Mais ici, ça pourrait nous donner une idée de quelque chose qui va être réparé quelque part. Parce que vous voyez, on a les deux parties du vêtement et on a l'anneau en fait qui tient, enfin si c'est un vêtement ou ce qu'on veut, mais on a cet anneau qui vient faire en sorte que ça va de nouveau tenir ensemble, vous voyez? Et c'est vrai que ça fait union, hein, et ça fait, mais dans un sens beaucoup plus large, et je trouve que c'est chouette. Alors, le livre, il est ouvert. La lettre. Alors, l'homme. Et comme vous voyez, on en a deux.
la femme, et on en a deux. Donc, ils sont assortis, en fait. Vous avez... attendez. Il y a ces deux-là qui sont plus ou moins assortis. Ceux-là, ils ne se regardent pas. Et puis, vous avez ces deux-là. Donc, ils peuvent soit se regarder, soit se tourner le dos. Mais bon, la dame, elle est plutôt de face, enfin, de dos. Mais voilà, comme l'homme, il est légèrement orienté, soit on peut imaginer qu'il regarde, soit pas. Bon, je vais mettre l'homme là, comme ça, pour le moment. Et puis, on a deux lys. Alors, ça, c'est intéressant. Parce que vous savez que dans l'école française, le lys est utilisé pour la sexualité. Mais moi, quand je vois un lys blanc, et vu les autres significations attribuées au lys, ça ne me parle pas du tout. C'est beaucoup trop éloigné des autres significations et moi, j'arrive pas. Donc, comme il y a d'autres écoles, que j'ai lu quand même pas mal de bouquins, moi, je me suis fait mon école à moi. Mais comme c'est mon système à moi, c'est ma convention, ça marche très très bien. Et donc moi, ma représentation pour le domaine de la sexualité, c'est le fouet, la verge. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus proche déjà du dessin et même de certaines significations qu'on peut trouver sur le fouet ou la verge. Mais quand j'ai un petit Lenormand avec un lys rouge et un lys blanc, ici, en plus, on a le vin, vous voyez, on a tout ça. On a un violon. Donc, ça peut faire plaisir beaucoup. Ça peut... Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ça peut faire penser beaucoup plus au plaisir. Hein, vous voyez, le plaisir d'une soirée au coin du feu avec de la musique. Mais même jouer de la musique. Hein. Le bon verre de vin, etc. Puis la couleur. Et si je pense à quelque chose qui procure du plaisir, je vais pouvoir beaucoup plus facilement l'associer à ce domaine-là. Que ici, ça va être ma carte de la pureté, de l'honnêteté, vous voyez, des choses qui durent dans le temps, la fleur de lys, hein, clairement, vous voyez. Et là, on a quoi? Ben, on a une carafe d'eau avec un verre d'eau. On a du givre sur la fenêtre. Ça parle plus de pureté, de blancheur, d'honnêteté, de, vous voyez, de transparence, tout ça. Et donc, ça, j'aime bien quand il y a les deux. Alors, le soleil, la lune. Elle est très, très belle, la carte de la lune. J'adore cette carte de la lune. Elle est magnifique, je trouve. Magnifique, magnifique, magnifique. La clé, elle est très, très belle aussi, je trouve. Et puis, on voit qu'elle ouvre une porte. Les poissons. Alors là, il y en a beaucoup. Donc, c'est chouette, je trouve. Et puis, quelque part, je trouve que c'est pas mal parce que c'est vraiment les poissons qu'on récolte. Donc, ça fait vraiment penser à l'abondance. Hein. L'encre. Et la croix. Et donc, ici, c'est très, très chouette aussi, je trouve, comme représentation. Parce qu'on a la croix comme ça, qui est une ombre. Hein, et puis, on a vraiment cette notion du fardeau à porter. Donc, qui est cette signification. Et en même temps, on voit que cette personne se dirige vers la lumière. Donc, on a beaucoup d'éléments dans cette carte et je trouve ça vraiment très, 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 très chouette, en fait. J'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà, vous l'aurez compris, c'est un jeu que je suis ravie d'avoir parce que réellement, au niveau des cartes, il apporte quelque chose par rapport au jeu que j'ai déjà. Bon, j'en ai pas énormément des petits Lenormand, mais j'en ai quand même. Je vous avais montré toute ma collection, mais depuis, j'en ai quand même racheté pas mal.
faudra peut-être un jour que je vous montre les petits normands que je vous avais jamais montrés. Enfin, normalement, j'ai fait des reviews de toutes, mais qui n'étaient pas dans ma vidéo de présentation des petits normands. Parce que là, j'en avais pas tellement, donc j'ai pu vous les présenter tous. Parce que j'avais dit, si je commence à vous présenter ma collection complète, on en a pour un an, au moins. Puis moi, je vais me lasser. Franchement, j'ai pas envie de le faire. Je le fais au fur et à mesure, dans les vlogs, dans des choses à thème, etc. Mais je n'ai pas envie de m'attaquer plutôt à vous présenter ma collection en entier. Mais peut-être que je pourrais essayer de retrouver les petits normands que je ne vous ai pas présentés et les refaire. Bon, je ne sais pas. On verra bien. Voilà, en tout cas, pour la présentation du Anaka le Normand. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit Normand qui sort quand même du lot, je trouve. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.